Christian Polas, ingénieur d'études ayant travaillé sur le télescope de Schmidt de longues années, notamment en photographique. Le télescope de Schmidt sert à prendre des images photographiques de grandes surfaces du ciel nocturne. Pour la détection, les mesures de position et d'éclat d'objets astronomiquement extrêmement variés. Un grand télescope de Schmidt, 1,50 m de miroir, 90 cm de lame d'entrée, est souhaité dans les années 60-70 au niveau national, à la fois pour l'astronomie de position et de repère, et pour l'astrophysique en utilisant des filtres qui préciseront la couleur des objets étudiés, y compris l'ultraviolet pour ce télescope. C'est l'un des grands télescopes de ce type dans le monde, avec Palomar, l'Observatoire européen au Chili, l'Australie. Ces Schmidt sont tous associés à des grands télescopes, 4 à 5 mètres de miroir, plus puissants mais couvrant des zones plus petites. En France, le projet de 3,60 m est associé au projet de Schmidt. C'est un compromis de la communauté scientifique des observateurs qui choisit le site du CERGA à Calerne, provisoirement, 7 ans, pour sa commodité d'accès et aussi pour un moindre coût. Mais la faible altitude ne permettra pas une véritable utilisation dans l'ultraviolet, tandis que le 3,60 m, lui, sera installé à Hawaï et le Schmidt ne sera jamais déménagé. L'opticien Jean Texereau réalise l'optique du télescope qui, lui, est conçu par l'Institut national d'astronomie et de géophysique avec ses ingénieurs. C'est Jean-Louis Eudier, jeune astronome de l'Observatoire de Nice, qui démarrera la manip. Jean-Louis Eudier développera avec succès la technique photographique scientifique moderne à un niveau international. Il présidera le groupe de travail photographie de l'Union astronomique internationale. Les images astronomiques commencent dans les années 70 à être numérisées à Nice. Albert Bijaoui dirige le centre d'analyse d'images et dirigera le conseil scientifique du télescope de longues années. Au niveau national, une machine à mesurer automatique est en construction à l'Observatoire de Paris, capable d'enregistrer l'ensemble des données d'une plaque photo. La coupole fut installée en avril 1973 et la première plaque photographique obtenue en 1977. En 1985, Jacqueline Cifréau découvre une nouvelle comète et deux supernovées sont trouvées. Plusieurs étudiants préparent des thèses utilisant les observations du télescope. La recherche des astéroïdes potentiellement dangereux devient un objectif international et en 1989, c'est la découverte de Toutatis. C'est l'ingénieur Alain Maury qui succédera à Jean-Louis Eudier pour la responsabilité technique et Christian Polas pour l'administratif. Si plusieurs améliorations techniques sont apportées dans les années 90, le guidage auto, la commande par électrotechnique programmée, l'utilisation du film photographique sous azote, il a surtout développé la technique qui supplantera la photographie, le CCD, récepteur qui associe microélectronique photonique et informatique pour donner directement une image utilisable pour la mesure en des temps beaucoup plus courts que la photo, donc moins exigeant en qualité de ciel, qui est devenue moins bonne à Calerne à cause de la diffusion des éclairages urbains. Très impliqué au niveau international, Alain Maury développera une collaboration avec l'Agence spatiale allemande et l'astronome niçois Hans Scholl, donc c'est l'expérience Audace. Dominique Albanès, embauché comme photographe et astronome amateur, a aussi fait le pas du CCD et accompagne les observations jusqu'à leur arrêt. Concrètement, le télescope, il fait quoi ? Alors, le télescope enregistre des images. Ceci étant, il a eu, on va dire, deux vies, ce télescope de Schmidt. Une première vie où on a utilisé des émulsions argentiques. Donc des plaques photo dont la dimension faisait 30 cm par 30 cm. Au milieu des années 90, on a changé de technologie, on va dire, pour développer une caméra électronique, une caméra CCD que l'on voit ici, qui n'utilise plus évidemment un processus chimique lié à la photographie argentique, mais qui utilise une puce en silicium qui convertit en fait l'énergie lumineuse, les photons qui nous viennent du ciel, en un signal électrique.
En 2000, l'OCEA décide d'arrêter son soutien financier au projet qui nécessiterait des besoins justement financiers et en personnel qualifié qui ne seront pas ses priorités scientifiques, partagées entre théorie et observation. L'observation souvent plus coûteuse et longue. La machine à mesurer automatique arrête aussi son fonctionnement quelques années plus tard, mais une quinzaine de thèses ont utilisé les observations, 1257 astéroïdes dont 12 objets atypiques, 95 supernovae ont été découverts. Les observations françaises au sol ont été restreintes au profit des programmes spatiaux et ou internationaux plus performants. La mesure du ciel est passée de la carte du ciel, observation menée à Nice au milieu du XXe siècle, au survey spatial Hipparcos puis Gaïa, avec une implication au plus haut niveau des astronomes de l'OCEA. Nombre d'entre eux, et au-delà, y compris d'étrangers, sont passés par l'observation au Schmidt et l'apprentissage du traitement d'images. Le développement de l'informatique est venu un peu tard pour valoriser ces données directement à Calerne ou à l'OCEA. Mais le rôle de formation est un des premiers résultats atteint avec une cinquantaine de DEA, de stages d'ingénieurs et techniciens, et aussi une centaine d'astronomes ayant passé un temps sous les étoiles à se confronter aux contraintes de l'obtention des images et des données. En bref, le Schmidt, c'est quoi ? Le télescope de Schmidt que nous avons ici, c'est un télescope un peu particulier, dans la mesure où il permet d'obtenir une vue du ciel extrêmement large, un champ très important. Par exemple, ici, nous avons une image des dentelles du Cygne, qui sont un rémanent de supernova. Et pour donner une ordre d'idée, sur un télescope classique, le champ représenté correspondrait un petit carré, comme celui-ci. Donc, le télescope standard va plutôt analyser une petite portion du ciel très en détail, et le télescope de Schmidt, lui, offre une vue extrêmement, disons, panoramique.